ta place, je ne fais aucun geste brusque et je vais obéir. Avance là. Si j'étais toi, pour éviter toute souffrance, je dirais rapidement où je cache les sous. Ok, comme c'est comme ça que tu veux procéder, ben mon pote, il va pas hésiter à te mettre une balle dans la tête dans 10 secondes. 10. Écoute-moi. T'as mieux. 9. Putain, je te parle. Oui. Écoute. Comment Charo, j'en ai, j'ai dit. Ok. 7. T'as mis où là? Parle, putain. 3. Mais dis, t'as mis où? Dis, parle là. 2. Putain, parle. 1. Parle. Hé, hey, t'attends qui? J'attends ma copine. Elle a oublié son téléphone. Écoute-moi très bien. Tu la fais rentrer sans vouloir me baiser. Calmez-vous les gars. Je veux pas qu'elle soit plus traumatisée. Parce qu'elle a déjà subi une agression. Dès qu'elle récupère son téléphone, je vous donne l'argent. Son téléphone, il est où? Dans la chambre. Dans la chambre? Ouais. Bon. Tu restes toi au salon. Elle va récupérer son téléphone. Pour que tu lui donnes aucun signe d'alerte. Tu fais un faux pas, je te bute toi et ta copine. Hé bébé, j'ai oublié mon téléphone. Ouais, c'est dans la chambre. Ça y est, je vais récupérer. D'accord. Ah, c'est ça, madame. D'accord. Dis-moi, pourquoi t'as l'air? Non, y'a rien, t'inquiète. T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Tu me fais une rien. Reviens juste là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Tu t'amuses à nous balancer que moi. Ok. Ok. Allez, 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 on se Noé. Passe-moi la main. Qu'est-ce que tu fais? J'en ai rien à foutre. Passe-moi, 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 passe-moi. Passe-moi la table, putain de merde. Tu penses que je suis là pour rigoler ou quoi? Passe-moi. Putain. Vas-y, casse-toi. 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 Putain de merde. Allô mon gars. Allô? Ouais mec, tu veux quoi? Tu n'es pas trop intelligent, on dirait. Ne m'appelle plus. Moi j'avais grave besoin de cet argent. Et raison pour laquelle j'ai fait ça. J'espère que tu as de la petite monnaie pour laver tes habits. Ben, les vêtements qui sont dans ton sac. T'es un petit joueur. Un trop petit joueur. Deux semaines avant, ces deux gars sont venus me voir pour qu'on effectue un braquage ensemble. Vu que c'est mon boulot. Nous on prend 70%, toi tu prends 30%, toi tu prends 30%. Dès que j'ai entendu cette parole, je savais très bien qu'ils allaient vouloir me baiser une fois que l'argent serait là. Alors j'ai fait appel à une amie. Tu joues la victime? Ouais mais mademoiselle, que vous faites là? Bon, je vais pas vous faire du mal. J'étais tout à l'heure. Ah bon? Tu les séduis? Et une fois chez lui, il essaie de repérer où il cache son argent. Une fois que tu sais où il cache son argent, tu me diras. C'est repéré. Mais attends, mais pourquoi je mets pas directement quelque chose dans son verre pour qu'il s'endorme? C'est quelqu'un qui est très très méfiant. Il te laissera jamais lui servir un verre. Ni même lui faire à manger, tant qu'il n'aura pas entièrement confiance en toi. Il est déjà tout précieux comme information. Après notre entrée, tu auras 10 minutes pour t'introduire aussi. 2.
Quand tu m'entendras compter pour jouer sa vie, et là tu apparais avec la sonnette. Paul, tu restes toi au salon. Et va récupérer son téléphone pour que tu lui donnes aucun signe d'alerte. Hey bébé, j'ai oublié mon téléphone. Ouais, c'est dans la chambre. T'inquiète pas, je vais bouffer mon argent en pensant à toi. Putain, le mec m'a baisé en fait. Mmh.